Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver évidemment pour la suite de l'aventure sur Mafia 3. Alors, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça fait au moins 2 semaines qu'on l'a pas fait ce jeu. Voler le... Hein? Bon, on l'a fait ça. On l'avait fait cette zone. C'est quoi ce délire? On l'avait fait, non? Ah, mais c'était... Ah oui, non, mais il restait une... Il y avait 3 missions... C'est vrai qu'il y avait 3 missions différentes de... De ce Mirmark. Et on en a fait... On en a fait que 2 sur les 3, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller directement là-haut. Et on va ramener des bagnoles à... Détruisant les... On l'a fait, ça, ça cause dire. Non? On l'a pas fait? Mission principale. Bah... Calcul de contrebande. C'est quoi ce délire? Bon, on va aller voir ça. Parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait, ça, non? C'est bizarre. Bon, on va aller retourner là-bas. Peut-être que c'est affiché une fois que j'ai arrêté le live l'autre fois. Je sais plus. Je me rappelle plus. Ça fait 2 semaines que je l'ai fait. Je me rappelle même plus si je l'avais fait cette mission. Mais il me semble qu'elle me dit quelque chose. Cette mission. Mais bon, on va voir. On va aller directement là-bas. J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas vérifié lors de la dernière mission ce qu'il fallait faire. Je me rappelle plus. Allez, on y va. Ça fait loin le trajet, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va tout droit. Tac, tac, tac. Allez, on est à moins de 900 mètres. Je me rappelle même plus de cette mission si je l'ai fait. Il me semble que je l'ai fait. Parce que je me rappelle cette zone, on avait galéré, je crois, à attacher le truc sur une semi-remorque, je crois, ou je sais plus, bref. Peut-être je me trompe, peut-être c'est pas ça. Je sais plus exactement. On va voir, hein, de toute façon. Ouais, doucement. Allez, là. Ça me dit rien. Ah mais si on l'a fait. Non, on l'a pas fait. Je me rappelle plus. Alors, par où on entre déjà? Par là. Non, je crois pas que j'ai fait cette mission. Hop. Boum. Je me rappelle pas être entré par là, donc à mon avis on l'a pas fait. On baisse toi. Ah, comment on se baisse déjà? Je me rappelle même plus. Non. Non. Tu comptes aller à l'enterrement du chef? J'ai eu ma dose d'enterrement sur le feu. Quelle enfure ce mytho. Oh là, je me rappelle même plus. Mais non! Quel imbécile. Ranger armes. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Et voilà. Bon. Il est où?
J'ai raté mon coup, mais sale. Oh là là là, quelle connerie j'ai fait. Ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, le jeu. Et je me rappelle même plus comment on tire. Pas dans la merde, hein. Comment on monte là-haut déjà? Ah oui, par là. Je vais aller voir par là. Une arme! C'est une arme! Oh. Hein? Quelqu'un là? J'ai trouvé un macabé, je vais aller voir par là. Viens mon petit, viens. Oh, tu sais quoi, je vais aller jusqu'en haut. S'il monte pas, je vais aller direct faire la mission. Voilà. Oula, il arrive, il arrive. Peut-être qu'il est là-bas. Il y a encore autre chose. On continue à chercher. Ouais. Je pense que ce trou du cul est toujours dans le coin. Voilà. Oulala. On va ressortir. Hein. Montre-toi. Je vais aller voir par là. Bah monte l'ami, monte. Monte. Ils sont cons ou quoi? Il est où? Il est juste au-dessus. Anoga est à terre. Là. Découpez ce sac à merde. Cours, petit lapin. Cours. Bah viens mon ami, viens. Il y a des ennemis dehors, merde. On va tous en avoir un. Je vais pisser sur ta table et sur ta mère. Foiré. Allez, vite, 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 vite. C'est quoi la bonne nouvelle avec qui je suis venu? Ouais, c'est celle-ci. Allez, go. Allez, on se barre. Non, non, je l'ai pas fait, cette mission. J'ai cru l'avoir fait. Mais qu'est-ce qu'il fait en plein milieu, lui? Pour le fait, c'est pas moi qui ai mis le truc. Non, je me rappelle pas cette mission. Je suis pas rentré dans cette zone. La fois dernière, j'avais fait, on avait fait pas mal de missions avec des semi-remorques et tout. Et à la fin de l'aventure, à la fin de la vidéo, on savait plus quoi faire. Il y avait plus rien à faire pratiquement. Donc là, c'est bon. On y va. Par contre, là, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Hein. Il faut aller détruire les camps de distillation. On va faire la saison 2 de Call of Duty, hein, Black Ops Cold War. Il y a des nouvelles maps, des nouveaux modes, je crois, qui sont arrivés. Des nouvelles maps. Donc, voilà. On a bientôt fini Immortals. Je crois qu'il nous reste une seule vidéo, on aura terminé le jeu. Pour Assassin's Creed, je sais pas encore. Apparemment, il est encore un peu long. Bon, on n'a pas. Il nous manque un gros territoire à faire aussi en bas à gauche de la carte d'Assassin's Creed. Donc, une fois qu'on aura fini ça, je pense qu'on aura terminé le jeu. On aura conquis tout l'Angleterre. La semaine prochaine, on terminera Deliverance the Moon.
Je vous ai déjà annoncé les 5 prochains jeux qui arrivent sur la chaîne pour le mois de mars. Donc voilà, on va dire qu'on est dans le temps. Il y a d'autres jeux hein, que j'ai pas fini encore hein, sur la chaîne. Des jeux qui datent de quelques mois, on n'a pas fini The Witcher 3, on n'a pas fini Old World, on n'a pas fini Carrion, enfin... Mais bon. C'est bientôt terminé ce jeu-là, donc c'est pour ça... voilà. Mais vous inquiétez pas, on le finira. J'aime pas laisser les gens en suspens en général, donc... vous inquiétez pas, on les finira. Ça met juste du temps, un peu plus de temps que prévu, mais bon. Mafia 3, on est un petit peu à la moitié de l'aventure, hein. Enfin, je parle de niveau des activités principales, hein, du mode histoire. Je parle pas des quêtes annexes et compagnie. Allez, on y va. J'espère que je retourne... Aïe ! J'espère que je retourne pas dans une zone où je suis déjà allé, quand même. Oh, je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, la zone où je viens de finir, je me rappelle pas de l'avoir fait. Mais après, là, cette zone-là que je fais là en ce moment, là, le parcours, ça me rappelle quelque chose. Bon, j'espère me tromper. Il semble reconnaître cette zone. J'espère qu'on va pas attacher comme l'autre fois la sermière morte. J'ai l'impression de faire refaire la même chose là par contre. Bon, on verra, je vais pas trop parler. Ça se trouve, c'est même pas ça. Mais moi, je pense que si, je sens que c'est ça. Bon, après, on verra. On est à 300 mètres environ. On va voir si c'est bien ça. Bon, on va stopper ici. Allez. Ah, ça me dit rien cette zone. Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien. Est-ce que je peux monter par là? Essayer d'aller dans la flotte. Fais demi-tour, gamin. Il n'a même pas remarqué ce con. Donne-moi les sous-sous. T'inquiète pas, c'est ce qui donne un coup de fouet à l'agneau. Ça fait mon bravo. Bah, ça te laisse un œil qui va encore. Oula! Quand j'attends qu'il bouge, lui. Ils sont pas beaucoup en plus, donc. Je peux l'attaquer, lui, mais l'autre il va griller celui qui est en face, là. Donc c'est mort. J'attends qu'il retourne de l'autre côté. Tu dégages ou pas? Allez! Voilà, barre-toi. Voilà. Et dodo. Grand millésime. Mets-moi un peu de ça dans une bouteille. Une cuvée de nectar. Une. Il revient ou pas? Non, il revient pas. Je vais faire tout le tour comme ça, là, par là. T'inquiète pas, c'est ce qui donne un coup de fouet à l'agneau. Ça fait mon bravo. Bah, ça te laisse un œil qui va encore. Après, quoi. Pas de ce truc là. Mauvais truc, je dirais. Hein? Par contre, ils sont complètement cons, ils voient rien. Allez, dégage. C'est bon. Ça, c'est de la bonne. Mmh.
Alors, tête de dieu, bougez votre cul. Hein ? Allez, dégage. C'est bon. Oui, c'est mon petit. Hein ? Oui, oui, toi, là. Viens. Viens dire bonjour, papa. Viens, 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 viens. Allez, dégage. Bon, lui, ça va être vite réglé là-bas. Oh putain, il y en a deux même. Lui, à mon avis, il est complètement bourré et qu'il fait même pas attention. Allez, dégage. Tu vas où toi? Tu vas où? Tais-toi. Bon. Bon, il faut quand même, il faut bousiller tout ça. Hein. Attendez. Je crois que je vais donner un gros coup de là-dedans. Voilà. C'est ce qui est là-bas. Voilà. Parler à Nick, ok. Bon, on se barre, hein, c'est bon. La bagnole, elle est où? Elle est là. Oh, bah nickel. Ok. On a fini une mission. J'aime bien les missions qui sont comme ça, rapides. Clair et net. Allez, go. T'es super loin l'émission par contre, hein. Pas grand chose à dire, hein. Ça c'est que du parcours, donc pas grand chose à commenter là-dessus. Hein. Ouh, les doucement. Le ricochet, il va, aller va tomber dans l'eau, ça va être la merde, d'accord. Ouh. Casse-toi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette trilogie vous plaît. Hein. Là, on est sur le 3. Il y a le premier et le 2 qui sont sur ma chaîne. Je vous invite à aller le voir. Qu'on a fait déjà. Qu'on a fait en septembre, octobre. On les a enchaînés direct, le 1 et le 2, l'un derrière l'autre. Là, on est sur le 3 depuis le mois de janvier. Enfin, depuis le mois dernier, quoi. Alors dites-le-moi en commentaire lequel vous avez préféré de la trilogie. Franchement, j'ai beaucoup aimé le 3. Le 1, moi qui l'avais jamais fait, qui a parce que le premier, il était sorti uniquement sur PC, je crois. Ils l'ont ressorti sur PS4 et One en septembre. Le premier remaster, je pensais pas qu'il était comme ça, le premier opus. J'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé le premier opus. Donc, dites-moi en commentaire lequel de la trilogie vous avez aimé. Ça m'intéresse de connaître votre avis. Oh, c'est long, très bien. Ah, c'est bon, on arrive bientôt. On est à 400, 300 mètres, moins de 300 mètres.
Ok. Faut faire tout le tour en descendant par là. Tout. Voilà, on y arrive. Oula. Pardon. Ouch. Ok, on y est. On a fait tout le tour. Ok. Boum. Et bon. On a fini la mission. Devers va pas aimer ce que t'as fait de son coup. Petit business a retenu l'attention de Carl. Il est retourné à la distillerie de Sweetwater. Tu sais comment il va réagir quand j'entrerai là-dedans. Il est en train de vous démarrer. Comment tu crois qu'il va réagir? Ce serait peut-être pas mal de le garder sous le coude. Personne ne connaît le Bayou mieux que lui. Je te revaudrai ça, Nicky. Je te le fais pas dire. Devers t'attend. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer tout ça. Ok. Allez, on repart. Là, ça va être encore un endroit qu'on a déjà visité. Il faudra tuer l'ennemi. Bon, on y est. Bah je vais là quoi. Oh, il y en a un qui m'a vu déjà. Ouais, c'est pas un endroit faible, tu vas voir, c'est pas un endroit faible. Gator. Viens ici le Gator, viens. Viens le Gator, viens. Viens. 3, 2, 1, boum. Voilà. Ah, c'est fait. Là-bas au fond. Je dois aller tout en haut, hein, c'est ça? Ouais. Donc il faut que je rentre par un endroit bien précis. Vérifie qu'il n'y a pas un premier personne par là. Allez, dégage. Essayer d'aller par là. Ouh! Non, là. Allez, 3, 2, 1, dégage. Lui, c'est bon. Ouais, bon. Je préfère garder mon truc, il y a plus de. Faut que j'aille de l'autre côté. Personne par là? Pas normal. Vas-y, y en a là. Vérifie qu'il y a personne autour. Allez, out. Allez, c'est bon. Oh putain, y'en a un qui arrive là-bas au fond. Euh.
Un escalier qui monte vers le haut ou pas? Ah, désolé du bruit. Putain, il y en a deux. Par où monter? Désolé, hein, si vous entendez la console qui chauffe, c'est tout à fait normal. Allez, dégage. C'est bon. Tu viens par là? Viens ici. Viens, mon petit. Viens dire bonjour. Un, deux, trois. Ok. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de d'aller juste au-dessus. Est-ce qu'il y a un escalier qui mène à l'étage? Ouais, juste ici, je crois. Viens. Putain, quel lâcheur de fou. Viens, mon petit. Enfin, je crois. Je crois avoir vu quelque chose, mais en fait, non. Ouf. Ça a mal pris, ça, hein. Ok. Pour monter à l'étage, c'est par où? Bon, je crois que je vais faire tout le tour. Hein. C'est une arme. Ouais, je crois que je vais faire tout le tour. On va aller de l'autre côté. Ah non, mais on peut pas. C'est vrai. Quoi? Eh? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu, moi. Prends le truc. Voilà, comme ça t'en as deux, t'es tranquille. Ouais, ça doit être par là, l'escalier. Y'a rien en dessous. Y'a rien en dessous. Oula. Allez, dégage. Et c'est bon. Y'a encore quelqu'un qui siffle. Et il dégage. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Donne-moi les sous-sous. Je crois que c'est le dernier, hein. Ouais, je crois que c'est le dernier. Qu'est-ce que t'as dans le crâne? L'agneau qu'on a perdu était en grande partie à nous. Si on essaie de faire porter le chapeau à Barbara. Ils sont deux. Ce salopard va le savoir. Ce qui veut dire qu'il va s'en prendre à nous. À Mans, à Penny, aux gosses, à tout le monde. Non, non. On doit se démerder. On pourrait mettre ça sur le dos de... Non, j'attends qu'il y en a un qui bouge. Non. Merde. Il est sérieux, lui? C'est toi qui vas tout prendre. T'as tué un gars? T'as tué un gars? Tiens. Voilà, t'en prendras ça. Va te faire foutre. Et Burk, bye. Tu parles trop. Voilà. Ah, c'est fait. Ok. Vider la distillerie. Les gars ont plus qu'à se pointer là-bas. Mes gars sont en chemin. Pourvu qu'il reste quelque chose à sauver. Tout est en place. Le boucher arrive. Il est temps de descendre ce chien enragé. Ok. Lincoln Clay a-t-il convaincu Thomas Burk, Vito Scaletta et la femme connue sous le nom de Cassandra de travailler ensemble? Il a organisé une réunion en leur donnant rendez-vous dans une ancienne plantation du Bayou.
Une fois tout le monde dans la même pièce, il leur a expliqué comment éliminer Marcano. Incon pouvait se montrer très convaincant. Bon. Très bien. Alors, il est où le Mister Boucher ? Il est là. Ok. On y va. Pardon. Oula. Voilà, oula, oula. Trop de dodan là. Ok. Hop. Bon, allons voir notre cher collègue. C'est pourquoi ça? Pour recevoir du monde. Barbieri devrait arriver d'une minute à l'autre. Barbieri va venir ici. C'est ce qu'il dit. Et tel que je le connais, c'est pas un menteur. Je viens de l'avoir au téléphone. Je lui ai dit que s'il voulait qu'on règle nos comptes, je l'attendrai ici. Putain de merde, Burke, on dit jamais à ses ennemis où et quand on les attend pour les piéger. Tu prends ça trop au sérieux. Dis-toi qu'on va s'amuser. En plus, c'est quoi le pire qui pourrait nous arriver? Tu pourrais tous nous faire tuer. Ouais. Ça, je pourrais. Attends. C'est Mickey. Le boucher et ses gars sont juste derrière moi. T'es sûr? S'il y a bien un seul avantage à être ta putain de fille, c'est que je sais à quoi ressemble une bande de métèques assoiffée de sang. Je vais faire diversion avec le projecteur du château d'eau. J'ai rempli des barils avec un mélange d'essence que j'ai préparé. Ils sont dispersés un peu partout dehors. Une balle et ils explosent. Donc, sois pas trop près quand ça pète. Je m'en vais canarder ces enfoirés depuis la grue. Toi, tu montes sur le toit. Au moins, il est carrément tout précis, celui-là. Une dernière chose. Si t'essaies de te barrer, je te plante moi-même. C'est clair? On se voit quand on a fini. C'est ça. Ok. Ça va bien, bon. J'en reviens pas. Mon père qui me demande comment je vais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette soudaine attention? Oh, merde. Coucou, toi. Je te vois. À gauche, fais gaffe. Ou à gauche? Ou à gauche? Ah, là-bas. Hé 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 hé! Dégage-toi. Aïe aïe aïe! Charles. Vite, Charles! Là, je commence juste à m'échauffer. Il est où le con? Là, côté droit. Côté droit. Voilà. C'est comme si j'avais des fourmis qui me bouffaient la cervelle. Merde, elle doit. Il y a d'autres pas. Ils sont où? Gaffe, sur ta gauche. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Merde, ça j'ai raté. Allez hop. Petite charge. Ça t'apprendra à faire chier une Irlandaise, petit connard. Bordel de merde. C'est lui. Allez-y. Ah! Le salaud. Et il cherche vite. Imbécile, va. Wow. Wesh, il est où? Il est où? Ça, je le vois. Allez, dégage. Ça vous apprendra à faire chier une Irlandaise, foutu connard. Là encore? Oui, non. À droite.
foutu rital. Vas-y, charge, 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 charge. Arrête de bouger. Il est où son pote là? Merde. Et c'est bon. Il est où? J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Cet enculé de Rital a fini par se montrer. Ah, c'est bon. Ok, le négro de compagnie de Burke, j'en ai rien à branler. Je veux l'Irlandais vivant, pigé. Je vais lui foutre une raclée qui n'oubliera pas ce connard. Ramenez-le-moi, ce fils de pute est vivant. Vas-y. Oula, oula, oula. Oula, putain, ils sont là-bas. Attends. Faut que je descende. Je peux pas viser de loin là-bas. Vite, 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 vite. Charge, 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 charge. Hey. Qui t'a dit macaroni? Qui t'a dit macaroni? Foiré, tiens, mange. Je t'ai vu à droite, hein, je t'ai vu, hein. Crois pas que je t'ai pas vu, hein. Allez, headshot. Allez, headshot. Pénébé. Il faut que je trouve encore des munitions parce que c'est pas possible. C'est bon, j'en ai eu. C'est bon, je vois. Monte ta tête. Allez, dégage. C'est bon. Fais le boulot, frère. Attends. Pas assez de balles là-dessus. Ils sont où les autres? Ils sont où les autres guignols là? Il n'y a plus personne. Je vois plus personne. Le boucher, il était où? Il était là, non? Je l'ai vu ici, je crois. Apparemment, il y en a d'autres. Mais je les vois pas. T'es avec moi toi, pourquoi t'es en orange? Il y a un autre? Il est par là. Dégage, voilà c'est bon. Il était à perpète le mec, fallait que j'aille jusqu'à là-bas. Bon tu descends avec moi hein, viens. Bon. Ah merde alors, il n'y a plus de balles. Un nègre et un roquemout qui bossent ensemble. Eh ben merde, j'aurais jamais imaginé voir ça. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Il est toujours vivant, hein. Je vois que ta jambe te fait encore des misères, mon con. Ta gueule, tu feras moins le connard quand je te ferai cramer les couilles. T'emmerdes. Et il se passe quoi ensuite, hein? Tu vas crever, connard, dans un trou à côté du mien, toi, et tout ton réseau. Vous allez sucer ma bite en enfer.
Ça va. Prends ses jambes. On l'emmène dans le garage. On n'a jamais pu reconstituer précisément les circonstances de sa mort, parce qu'on n'a retrouvé sa dépouille que dans les années 80. Le corps des ingénieurs de l'armée a dragué le Mississippi et il a retrouvé ses restes dans le coffre d'une vieille bagnole. Les deux jambes de Barbieri étaient tellement brisées qu'il ne restait que des os embouillis. Très bien. On peut juste... D'accord. Hop. Aller voir Burke à la distillerie, ok. Je croyais qu'on était déjà dedans, mais en fait pas du tout. Allez, on y va. On va faire tout le tour. Et voilà. Comment on entre? On va faire tout le tour, hein. Ah ouais, peut-être c'était par là l'entrée. Non? Je sais pas. Je pense pas que c'est par là. Hein. Ah si, c'est là. C'est là où on était tout à l'heure. Oh, encore? Oh merde. Voilà. Ah non, c'est pas par là. Whisky partout et pas une goutte à se mettre dans le gosier. D'accord. C'est une goutte à l'occasion. Ah non, il est avec moi, lui. Pourquoi je me cache? Je me suis dit aussi, c'est bizarre. Allez, on y va. Toujours bourré, lui. Déjà fini avec Barbieri. Non. Oh, ça, non, alors. Je te l'ai déjà dit. Il va crever lentement. Ah, désolé. Quant à toi. Tu réapparais comme si t'étais Lazare. Et je me dis de deux choses l'une. Ce sale petit con est soit le plus chanceux de tous les fils de pute que j'ai jamais rencontrés. Ou alors, c'est le genre à porter une putain de poisse. J'étais certain que c'était deuxième main. Je dois l'admettre. Je vais tout faux sur toi. Tu peux me remercier en m'appelant par mon nom. Ouais. Va pour Lincoln. C'est drôle. Quand on nous arrache quelque chose,
on arrive à se persuader qu'en faisant souffrir quelqu'un d'autre, ça répare ce qu'on a de pété. Non, mais non. C'est sûr que non. Non. J'ai passé toute ma putain de vie à sortir les griffes avec ceux qui s'approchaient de moi. Ceux qui voulaient du bien. Et regarde où ça m'a mené. On peut pas changer. On peut juste avancer. Maintenant que t'as repris le quartier irlandais, j'ai besoin que tu cueilles un max de fric. Ça va coûter un paquet d'éliminer Marcanan. Et je suppose que tu voudras ta part du gâteau. En effet. Je peux pas dire que j'aime avoir des comptes à rendre. Mais un marché est un marché. J'ai demandé à Nikki de gérer le commerce de Newell, mais elle pourra pas tout faire toute seule. Ça rapporte un paquet de blé, ce truc. Va lui parler. Elle doit être dans le coin si elle n'est pas partie à la chasse. C'est pas la saison. Pour elle, c'est toujours la saison. Si tu veux bien m'excuser, faut que j'aille voir Monsieur Barbieri. Il doit commencer à se sentir un peu seul. Oui, si tu le dis. Ok. Très bien. S'il fait beau ce week-end, je vais en profiter pour repeindre le Porsche. Bon, les grands perdants, les questions émotionnelles. Ok, bon, bah très bien. Alors, c'est quoi ça? Parler à Nikki. Bon, ok, bon, on retourne là-bas. Elle est restée là où elle était tout à l'heure. Ah bah voilà. Tout à l'heure, c'était fermé, là. Ah ouais, mais le truc est tombé sur la bagnole, là. Est-ce que je peux le prendre ou pas? Ouais, c'est bon. Je sais pas si on pourra... Oui, on recule. On peut reculer, c'est bon. Ok. J'aurais pas besoin de faire tout. C'est juste derrière en fait. Je sais même pas pourquoi je fais tout le tour. Mais j'ai envie de faire tout le tour quand même, c'est pas grave. Bon, on aurait pu aller à pied. On aurait pu aller à pied, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'était juste là. Ok. Hip hip. Whisky partout et pas une goutte à se mettre dans le gosier. Par où on l'entre déjà? Oui, par là-bas. Allez. Il est tout en haut. L'escalier. Je ne sais plus par où il est. J'ai fait ça il y a deux secondes tout à l'heure, mais... Je crois qu'il faut, faut que je fasse tout... Ah non, bah c'est là, c'est bon. Ok. Tac. Fais tout le tour. Voilà. Ok. Ah. Voilà. Voilà, fais comme ça. Bim bim bim. On y est. Et on monte par les escaliers. Et voilà. Ok. Merci pour tout à l'heure. Mon père était quelqu'un de malin avant. Quand quelqu'un essayait de se foutre de sa gueule, il le sentait à des kilomètres. Maintenant, putain, il sait même plus quel jour on est. T'as dit que t'avais besoin d'aide. J'ai des gars qui sont coincés dans le bayou.
Si tu pouvais récupérer la gnôle et me la ramener, eh ben, ça me faciliterait la vie. Le bayou, c'est pas vraiment l'endroit que je préfère. Mais oui, mais bon. T'as pas le choix en même temps. Hein. Blagues viennent leur rendre visite. On n'a pas eu le temps de discuter, mais comment tu tiens le coup? Il ne tient pas le coup. Tout ce que je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre et redevienne comme avant cette nuit. Quand tout était encore normal. Comme c'était la dernière fois, en tout cas. Et ouais, c'est nous les grands perdants de l'histoire. Danny. Est-ce qu'il a eu mal? Est-ce qu'il a souffert? Arrête. Ça te soulagera pas de le savoir. Qui a dit que je voulais être soulagée? Jordi lui a mis une balle dans la tête. Je crois qu'il est mort sur le coup. Putain de merde. Je déteste cette putain de ville. Désolé du bruit, hein. Mon désolé. Ok. Lincoln, c'est pas parce que Barbieri est mort qu'on doit considérer que tout ce quartier est maintenant sous notre contrôle. S'il y a encore des hommes à lui dans le secteur, tu ferais mieux de t'en débarrasser. Allez, go. Allez, on se casse d'ici. Et on va aller directement vers la mission qui suit. Alors. Alors, par où on sort? Je sais même plus. C'est un labyrinthe ici. Voilà, par là-bas. Enfin, je crois, je sais plus. Voilà, par là. Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Bon, voyons voir. Les objectifs suivants. Et là. Ah, ici, c'est vrai qu'il faut que j'aille dans le bayou. Voilà, on va aller là. Il y a une partie ici aussi. Ouais. Voler le camion. Ouais, c'est une mission optionnelle, ça, mais bon. Ok, voler la semi-remorque. Pour... Je sais même pas si je vais le faire, on verra. Non, déjà, on va aller directement ici. Et au moins, on est chaud là-dessus. Bon, allez. Convoquer une réunion. Carrément. Allez, on va prendre la bagnole là. Et on se barre. Allez, go. Encore un long trajet. Allez, go. Je pense qu'on s'arrêtera juste après cette mission. On aura bien avancé là.
chaque fois c'est des vidéos d'une petite heure environ. Comme je vous l'ai dit, Mafia 3, ça va être plus long. Hein. Ça va être plus long que les deux premiers opus. Hein. Je crois que c'est quasiment le double du premier opus. Et du deuxième aussi. En fait, le Mafia 3, c'est le Mafia 1 et Mafia 2 combinés. Enfin, niveau durée de vie, je parle. Par contre, je ferai pas les DLC, hein, Mafia 3. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos. C'est un jeu que j'avais déjà presque fini, quoi. J'avais fait tous les DLC à l'époque. Il y en a 3 DLC, je crois. J'avais tout fait à fond. Et là, j'ai pas envie de les refaire, sinon on est encore là jusqu'au mois d'avril du jeu, donc... Déjà que ça fait normalement un mois presque qu'on l'aurait fini déjà, hein, mais bon, il y a eu plein de choses en attente, on a fini plein de choses ces dernières semaines là. Ces deux dernières semaines, on a terminé quoi, 5-6 jeux je crois. Entre Forgotten Anne, The Pathless, The Medium, Gunscore and Colony, Little Nightmares 2, etc. On a fait pas mal, on a fini pas mal de jeux. Hein. Hop hop hop, fais gaffe toi, hey, mais il est fou. Oh, l'enfoiré, il me fonce dedans l'enfoiré. En plus qu'il y a l'effet qui est juste à droite. Avance. Ah non mais. Bip bip. Ou alors on va faire le con là, on va sauter faire comme ça. On va faire. Hop là. Hop, on y va. Bouille. Non mais. Hop là. Ok, on y est. Oula, doucement. Alors, on va aller voir ce qui s'y passe. Bon, là, j'imagine que ça va être la merde. Il y a des ennemis à tuer ici, je pense. Hop. Bon. Le manoir. On dirait dans le manoir, hein, c'est vrai en plus. Alors, par où on y va? Par où on y va? Par où on y va? Ouch. Ah! Vaut plus rien! Ah oui, bon, je suis con. C'était juste en fait, j'ai fait tout le tour comme un débile. Je sais pas pourquoi. Tu crois que j'ai oublié ce que t'as fait? Tu peux accuser Marcano autant que tu veux, mais c'est tes hommes qui nous sont tombés dessus. Mes hommes suivaient les ordres. Il y a des règles. C'est pas mon putain de problème si vous autres vous comprenez pas. Ouais, bah moi je vais en faire ton putain de problème. Alors c'est quoi encore ces conneries? Tiens. Le plus gros racleur de fond de bouteille de. Ah oui, ça y est, je me rappelle cette partie-là. Répète un peu ça pour voir. Faudra choisir. Entre les trois. Je me rappelle cette zone. Enfin, cette partie. Mais par contre, je sais plus s'il y a une incidence sur la fin de l'aventure, par contre. Je me rappelle plus ça. Éliminer Marcano? C'est de la bossée pour Marcano. Et celui-là? Tu sais combien de mes hommes ce con a tué parce que je me rappelle plus du show que j'ai fait aussi. Je l'emmerde et jamais je ferai confiance à ces deux alors enfoirés. Alors casse-toi, connasse. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Tu te méfies d'eux? Parfait. Moi aussi, je me méfie de vous. Mais ça change rien au fait que j'ai foutu en l'air les plans de Barbieri. Tu es tous ces et tous ces gros enfoirés de redneck et que je t'ai sauvé des hommes de Gréco. Alors je vous laisse faire votre choix ici et maintenant. Soit vous fermez vos gueules, soit vous vous tirez d'ici. Mais si vous franchissez cette porte, votre nom viendra s'ajouter à ma liste, juste en dessous de celui de Marcano. Au moins, c'est clair. Bon. Si vous avez fini, Focaminerie,
Je vais vous expliquer le plan. Pour renverser une organisation comme celle de Marcano, il faut d'abord s'attaquer à ses soldats, et ensuite les gros bonnets, comme j'ai fait au Vietnam. Je sais que l'armée t'a bourré le crâne avec tout un tas de tactiques et de combines, mais y a pas à se prendre la tête. Il suffit d'aller chez lui et de le descendre. Ça devrait pas prendre plus d'une heure, en gros, s'il y a pas trop de bouchons. Et qu'est-ce qui va se passer après, à ton avis? Tous les autres vont baisser leur froc et disparaître? Espèce de connard sans cerveau. Faire ce que tu as raison. Éliminer tout de suite Marcano nous mènera nulle part. Un de ses frères prendra sa place et ce sera retour à la case départ. Donc, en premier, on s'occupe de ses lieutenants. Du coup, comme ça, on s'empare de leur territoire et on s'occupe des capots. Une fois les lieutenants et capots morts, Marcano sera isolé et vulnérable. Et c'est là qu'on lui fait sa fête. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire des territoires et aux gars de Marcano? Dès qu'ils seront à nous, il faudra quelqu'un pour gérer les affaires. Je vous donnerai un quartier, vous dirigerez les trafics et tout le reste. Mais je compte aussi sur vous pour le protéger. Et empêcher ce fils de pute de le reprendre. Une dernière chose. Vous avez tous vu ce bâtiment au bord du lac? Il construit un casino. Marcano veut entrer dans la légalité. Il a investi tout son fric là-dedans, donc... quand il comprendra, il aura plus trop le choix. Et surtout, il y est attaché émotionnellement. Les émotions rendent les gens faibles et cupides. C'est là qu'on va frapper. On va frapper en plein cœur. Hey, beau discours. Ils y ont cru? Je m'en fous. Ils ont trop d'ambition et de rage contre Marcano pour renoncer. Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tente de te la faire à l'envers. Si jamais ça arrive, je m'en occuperai. Les photos, c'était un bon début. Mais il va me falloir des infos un peu plus concrètes sur ces lieutenants. Quel est leur business, où je peux les trouver et tout ça. Les dossiers sont presque complets. Je serai prêt dès que t'auras besoin de moi. Et j'ai réussi à trouver quelques citoyens concernés qui seront ravis de raconter ce qu'ils savent sur ces enfoirés de Rital aux ordres de Sal. Je te donnerai les infos pour les contacter avec le reste des renseignements. Merci. Tu veux que je te dépose? Non, j'aime pas faire conduire. Oh! Et l'assassinat systématique des capots et des lieutenants de Marcano faisait partie de ce plan. On faisait pas une partie de Mahjong, putain de bordel. Écoutez, quand on cherche à éliminer quelqu'un, on détruit les fondations sur lesquelles il repose. C'est exactement comme ça qu'on procédait au Vietnam. Oui, ça je le sais. Accomplir une mission secondaire et de contrebande vous permet de faire des profits. Oui, ça je le sais. Oui, course automobile, ce genre frappant. Hein. Ouais, je m'en fous. Ok. Bon. Très bien. Alors. Ah, je crois qu'il y a une mission principale où il faudra faire une course justement. Mais je me rappelle plus laquelle. Par quoi on peut faire? Numéro seulement là. Ouais, là c'est pareil aussi. Corruption. Et là, retrouver dans la vanne moteur sans froid. Bon. Y a pas d'autre chose à faire en bas, je pense pas. Si, à part celui-ci, mais ça c'est, je crois que c'est une mission principale. Annexe. Ouais. Mission optionnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera ça la prochaine fois. Il y a trois choses à faire, trois grosses choses à faire ici. Et là, on va aller directement... ouais, celui-ci, on va aller directement là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bagnole. On va aller directement sur les lieux. Et on s'arrêtera là, juste avant, une fois qu'on sera arrivé là-bas. Et on fera ça lors d'une prochaine vidéo. Ouais, bah, le course de... c'est bon. On va pas faire les courses. Si c'est pas une mission principale, on va pas faire les courses. Hein. Parler à mon flingue, ouais, ça, c'est des missions annexes. Tout ce que vous voyez qui s'affiche là en violet, en gris et tout, etc. C'est des missions annexes. Ça par contre c'est une mission... Ah ouais, ça aussi une mission annexe. Il y a plein de choses qui s'affichent là. Donc on va arriver là-bas. Une fois qu'on sera arrivé là-bas, on s'arrêtera là pour cette partie sur Mafia 3 les amis. Oh le casse-flot d'acte. Voilà. J'ai connu tout le monde.
Ouf. C'était limite, hein. Ouch. Allez, go. Ça fait loin le trajet, hein. Mais bon, pas grave. Oh, allez, dégage. Il a pris cher, lui. Il l'a pris cher, le gamin. Allez, on y arrive. Cinq cents mètres bientôt. Cent mètres. 200 mètres, 100 mètres, c'est bon, on y est. Bip bip. Hop. Voilà. On va patienter ici le temps qu'il arrive. Cette partie de la ville est dirigée par Tony DeRazio. D'après les infos que j'ai pu rassembler, c'est un putain de sacré numéro. Une espèce d'expert des comptes et des chiffres. Alors c'est sûrement le comptable de Lou Marcano. Comptabilité, blanchiment d'argent. C'est même lui qui gère les relations de Lou avec les fonctionnaires. C'est son boulot de s'assurer qu'ils aient toujours la patte graissée. Comment je le trouve? C'est là que les choses se corsent. Il vit dans la suite au dernier étage du Royal Hotel. Bah oui, carrément. L'accès à l'ascenseur est contrôlé et le reste de l'hôtel est infesté d'hommes de Tony. Bon, mmh. Il peut pas passer sa vie là-haut. J'ai besoin de connaître toutes ses allées et venues. Ça fait un mois que je surveille cet enfoiré, et je l'ai vu sortir une seule fois. Un jour où un de ses hommes avait fait une connerie. Il lui a éclaté le bras gauche à la barre à mine. Il a une société fictive pour verser des pots de vin et blanchir le fric de l'eau. Et une autre pour récolter ce qui vient de la ville. Je les frappe, ça le fera réagir, et j'aurai mon ouverture. Et t'auras tout foutu en l'air entre lui et Lou au passage. Fais attention avec ce type. Tony a peut-être l'air d'un sale con, mais il essaiera de te couper les couilles dès qu'il en aura l'occasion. Sérieux? Hey, je suis abonné, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Ah là là. Bon, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, évidemment. Et on se retrouvera la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.